Non, je n'ai pas longueur est parti là. Non, désolé d'avoir niqué votre soirée. Ah, on me dit que Trivia est AFK. Ah bah super, je prends pression pour rien en plus. Attendez, on l'attend. Ouais, on l'attend. On l'attend. Ok. On attend Trivia. Trivia, tu pips? On se met tous autour. Trivia? Je suis pas dessus. Tu fais un pouce dessus, oh, c'est énorme. Trivia, tu fais un pouce. Elle va revenir, elle va faire un chlass. On se stack, Non, mais il va y avoir un chlass. Il va y avoir un chlass. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Mais non, on se déstack, c'est trop dangereux. Il faut en faire un, il faut faire un unique. Qu'est-ce qu'ils font? Un unique? Bon, allez, let's go. Objectif. Salut PA. Salut mec. Ça va? Je te laisse faire ta petite vie. Ouais, tranquille, bah c'est bon, hein. Salut, hein. Alors. Oh là. Ah oui. Nice. Non, MG. Pas au 19ème astéroïde. Eh bien, c'était rapide. Oh. Et oui, effectivement. Oh non, PA, non. Alors, attendez. Non. Alors, est-ce que je peux dire un truc ou pas? Oui, vas-y. Oui. Alors, oh. C'est toi qui l'as tué? Non, deux secondes. Ça a été report par DFG, le corps était Medbay, on est d'accord? Exactement. Alors, très bien. J'ai vu PA rentrer dans Medbay avec Jean Castex qui était rentré avant lui. Tout à fait. Et j'ai vu Jean Castex ressortir et moi j'étais, et du coup moi j'étais, on va dire, du côté gauche de la carte et j'ai vu Jean Castex repasser. Tout à fait, j'étais avec, effectivement, avec PA à Medbay, tout à fait. Et quand je suis reparti par où, je t'ai vu effectivement à gauche, je suis directement allé aux caméras. Mais si j'avais tué Medbay, j'aurais vent en fait. J'aurais vent. Pas forcément. Pas forcément, effectivement. Mais j'ai croisé effectivement PA. Quoi, PA dans le Medbay? Je sais pas. Moi, j'ai fait mes petites fioles et ensuite je l'ai laissé. Je l'ai littéralement laissé à ce moment-là. T'as littéralement. Mais les petites fioles, ça prend une seconde. Tu cliques un truc sur les petites fioles et c'est bon. Ouais, rester dans Medbay. Bah oui, Fred, tu restes les 60 secondes devant toi. Je suis de l'autre côté du vaisseau. Je t'arrête de penser que DFG n'a pas self-report le kill de. Il a dit le L-word. De Domingo, parce qu'en vrai, la Medbay, c'est un truc où. Enfin, quand il est. C'est un peu con qu'elle l'ait tué. Parce que c'est en. Ça peut être. Parce que du coup, on est vraiment très visible. C'est Antoine, je pense. En fait, ça peut être que Antoine, parce qu'en fait, le truc, c'est que PA est mort sur les fioles, sauf que, en fait, s'ils sont rentrés ensemble, il n'y a aucun monde où PA sortait pas en mode direct, tu vois. Tu restes pas sur les fioles à attendre. Non, c'est. Mais en fait, j'ai fait les fioles en premier et je suis parti, je l'ai laissé à l'intérieur. Je ne sais pas s'il a fait le scanner, attends, je ne sais pas s'il a fait les fioles. Le corps, il est sur les fioles. Ouais, il est sur les fioles, il est contre le mur. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi il aurait pas pris une vent. Antoine. C'est trop con, mais c'est pas moi, c'est elle. Mais c'est elle qui l'a tué. C'est risqué de ressortir quand même. Bah oui. Bah oui, en vrai, j'aurais pris une vente. Une erreur est vite arrivée. Pas pour moi. Tu sais pas. Excuse-nous, Jean Castex. Parce qu'en vrai, tu m'avais peut-être vu et du coup, bah, t'avais pas osé parce que tu savais que je t'avais vu. C'est vrai, peut-être. Mais non, en fait, si je t'avais vu partir à gauche, j'aurais vente. En fait, je t'explique. Si j'avais été imposteur et que je t'avais vu là-haut, je ne serais pas reparti par là et encore moins. Déjà, je serais pas parti sur la gauche. Je serais reparti vers Cafette. Et en plus de ça, si j'avais vente, ce que j'aurais probablement fait, je serais parti vers Electrical. Voilà. Je trouve quand même ça trop bizarre et qu'il y a que après, toi qui ai pu le tuer. On peut effectivement ne pas voter pour lui, mais en revanche, on lui met un bracelet électronique. Attendez, juste. Pourquoi des fois on parle 15 ans? De toute façon, la seule personne avec PA à cet endroit-là, c'était Jean Castex. Il n'y a pas de feinte. Bah, oui, c'est sûr. Donc, à part quelqu'un qui vente, arrive, tue, revente. Bon. Moi, j'ai vu personne. Mais c'est pas moi qui l'ai tué, c'est horrible. En fait, comme on disait la dernière fois, il n'y a rien de pire que les gens qui ont raison pour les mauvaises raisons. Je sais pas. Je suis pas sûr. On tuera Antoine au prochain tour. Oh non! Allez, oh là là! Vous êtes sympa! Là. Moi j'en connais certains qui sont ouais, moi aussi ça! Hein. Moi ça m'a fait rire parce que j'ai fait. Mais elle a failli me foutre dans la sauce, Bagheera là! Bien sûr que c'est lui! On vient un peu! Ouais. Ça a beaucoup voté! Non mais j'ai lancé le premier vote et c'est parti en casse! Mais les gens ont voté vite même, je trouve! Forcément! Ça oui, mais bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Tu penses que c'est qui Antoine? J'en ai aucune idée. Je l'ai vraiment laissé seul à l'intérieur. C'est voilà, je suis. Tout à l'heure avec toi. À droite mais moi je sais pas parce qu'en fait. Attends. Que moi j'ai vu Ponce et JDG faire les trucs en haut de cafétéria et vu que c'est souvent double kill dès le début de la game je suis parti et j'ai fait mes astéroïdes mais tout le monde est parti après la ici navigation donc j'ai pas suivi après. Ouais. Y'a personne qui est passé par le milieu genre qui aurait pu vanille.
Moi... Ah! Ah! C'est qui? C'est qui? J'ai vu quelqu'un! J'ai vu quelqu'un! J'ai vu la veine s'ouvrir! C'est là-dedans! Il y a trois personnes même. Attends, on n'a pas regardé les cadavres, Bagheera! Oh, ça a été le réflexe! T'inquiète, t'inquiète. Alors, j'ai vu la veine de caméra s'ouvrir, j'ai pas eu le temps, j'ai pas vu qui c'était. Mais du coup, ça veut dire que c'est forcément quelqu'un qui est à MedB ou qui est à Electrical. Mm-hmm. Quelqu'un qui aime bien les caméras. C'est pas Bagheera, en tout cas. C'est pas Ultia, ça c'est sûr. Qui était à... Où est le corps? Il est au tout... à l'entrée d'Electrical, mais vraiment à l'entrée. Ah, ok. Qui est à gauche du vaisseau, en fait? Comme le soupçonnait Trivia. Là, moi, je suis avec Ultia, on est arrivé. Je sais pas qui était avec nous. Sachant que le dernier, au passage, que j'avais laissé dans la salle des caméras, c'était Rivenzy. Non, en plus, s'il joue pas. Non, parce que moi je suis à droite actuellement. Cam, je suis parti tout à droite donc. J'ai vu la veinte de la salle des caméras s'ouvrir. Et t'as pas vu? Bah, si ça s'ouvre, ça veut dire que quelqu'un en est sorti ou est rentré. Alors, ça c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'effectivement, j'ai vu la veinte des caméras. Tu sais que quand t'as pas la lumière, tu vois pas, tout devient pas noir, mais ça devient gris. Donc j'ai vu la veinte de la caméra bouger, mais forcément, comme il y avait la lumière éteinte. Oui, t'as pas vu qui. Mais j'ai vu la veinte des caméras s'ouvrir. Alors le truc c'est que moi j'étais aux caméras au moment où Little Big Whale et Ultia étaient navigation, donc ça commence à faire un petit moment maintenant quand même. Oui, en effet. Ça. Et t'étais plus à gauche, Riv. Je suis d'accord, c'était Yann. Là je suis à droite désormais. Mais où ça à droite, Riv? Où ça à droite? Je suis à Astéroïde. Ok, j'ai peur que tu dises que t'étais à Coms. Je t'aurais pas vu. Moi je suis quasiment sûr que c'est pas MV ni DFG du coup, voilà. Moi je suis certain que c'est pour Astéroïde. T'as pas fait les astéroïdes avec nous au début du deuxième tour, Venzi? Qui, moi? Ouais. Ah non, pas du tout. Oui, il les a pas forcément. Non. Ok. Non, je les ai pas fait du tout. Donc ça peut être là sur ce kill, excusez-moi, Rivenzy. Jean Castex, Antoine, on sait pas où il est. J'étais à Coms. À Coms. Personne la vote. C'est pas vrai, on en vient avec Bagheera. T'es arrivé par où à Coms? Je suis arrivé par la salle du bas, là. Storage. La salle du bas? T'es arrivé par côté. T'es arrivé par... c'est pas vrai, on en vient. Je suis arrivé par Storage. Il y a Lee. C'est pas vrai, on en vient. J'ai vu Lee. Je vous explique mon pathing. Jean Castex, ça suffit. Bon, c'est sûr que c'est Antoine, de toute façon. Bon, vous voulez pas que j'argumente, du coup, c'est bon, vous me tuez? C'est bon, vous me tuez ou je ferme ma gueule? Non, ça dépend juste une chose. Non, je vais écouter parce que j'ai encore un micro doute sur Evenzy, mais je vais écouter. Attends, mon passing, j'étais... Il reste 20 secondes. Bon, j'ai été à droite pendant un petit bout de temps à Navigation, ensuite je suis passé par en bas, j'ai vu que Trivia faisait les feuilles en bas de Storage, elle est partie, je suis parti faire les feuilles en bas de Storage, puis je suis revenu à Communication, je faisais mon download à mon upload à Communication, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le report. Voilà. C'est impossible, on l'aurait croisé, Bagheera. Je vote contre toi parce que je sais que ça valait le coup de donner mon explication, mais ok. Non, mais en fait, le problème, c'est que... C'est pas parce que tu donnes ton explication que... Moi, j'esquippe, mais on est passé par ici, Antoine, dans un couloir. En fait, je pense que t'as vu Trivia faire ses feuilles parce que tu vois plus loin que nous. Moi, je l'ai pas vu alors qu'on a fait le même chemin. D'accord, Bagheera, tu m'as mis dans la sauce au premier round. On en venait, je vois plus. Tu m'as mis dans la sauce. On a pu le croiser. Bah après, ça arrive. Oui, c'est ça. Tu vas bien? Je vais juste... Mais Domingo, putain, c'est pas moi qui t'ai tué! C'est pas moi qui t'ai tué, Domingo! J'ai vu ce que t'as fait, toi aussi. Hein. Mais oui, mais en fait, y a rien de pire que des gens qui ont raison pour les mauvaises raisons. Ouais, bah clairement. Mais c'est bien, tu bosses avec moi pour la faire chier. Non, je la laisse tranquille, vas-y. Elle laisse tranquille. Après ça c'est hors Covid. Enfin, ouais, tu viens avec moi? Ouais. J'ai même pas envie de te parler de quoi. Ah oui, vous laissez Bagheera tranquille. Hein. Les moindres personnes que je vois venir insulter Bagheera dans son chat, c'est le ban définitif COVID, ici. Hein. C'est pas la crise, évidemment. Pandémie, merci Louis Bat pour le Prime. Nord-West VPN pour les 10 mois. Il peut y avoir de vélo. Ce chiffre, il est fait tomber à 50 vélos. Mais je te parle pas que des magasins type Go Sport qui vendent des vélos. Je peux pas la regarder parce que c'est trop chiant. Ouais, moi aussi j'ai plein de trucs à faire. On revient tout à l'heure pour un autre. Ah. Bon, il fait pas ses tasks. Hein. Bon, tu le fais? J'y vais. Ouais, re, Bagheera! Re. Ça va ou quoi? Ne l'écoute pas, Bagheera, ne l'écoute pas. Tu m'entends? Ne l'écoute pas.
Ne me tue pas, bagarre. Non, mais c'est. Bagarre. Ah, mais bien sûr que non. Ils est bon. Voilà. On supporte là. Bravo, les gars, bravo. Bon, sinon, parce que c'est vrai que les vélos c'est intéressant, mais il y a mieux. Le diamètre du soleil. Et je sais que déjà t'es curieux par rapport à ça. Et bon, de l'autre côté, s'il y a eu des morts pendant l'alerte. Mais t'as bien raison. Et ben le diamètre du soleil. N'écoute pas Domingo Bagheera. Chaque heure, Antoine, tu te rends compte ? N'écoute pas, ne l'écoute pas. N'écoute que ma voix. Et par contre, faut que tu fasses des kills, Bagheera. Y a MV qui est tout seul aux caméras, si jamais. Allez, c'est free. Voilà, tu ventes. Attention. Attention. Attention, Ultia. Elle... Okay. Qu'est-ce qu'il y a à faire, moi ? Oh, la chance ! Je viens de voir la veine de caméra bouger. Oui, elle m'entend. Ah. Je suis à droite. Je suis à droite, actuellement. Je la backseat. À navigation. Donc, comme moi, autour d'avant, c'est peut-être qu'elle est mal vissée, du coup. Merci, ouais. Gavix, pour le prime. En tout cas, elle a bougé, là, la veine. Ok, qui était caméra là jusqu'avant, jusque là maintenant là. Bah, c'était le mort. Il a pas vu parce qu'il y avait pas de lumière. Il y avait pas de lumière, c'est pour ça qu'il a pas vu. Pour le sub. Non, pas du tout. En fait, j'ai. Il a juste entendu. C'est pas de la triche parce que j'ai le moyen de le faire. Pas de la triche. C'est chaud quand même. Déjà. Non, je sabote pas parce que j'ai pas envie. Si elle a des plans de sabotage, je veux pas. En bas. Ouais. Le. On peut voter. On s'est pas du tout croisé. Ah mais attends, on peut parler. Jean, tu m'entends? Oui, on peut parler. Parce que moi, ce que j'ai. Moi, je t'entends. Moi, j'ai fait. Ah ouais, on peut parler entre donc crewmate. Ah oui. Mais par contre. Et Ponce, c'était horrible. Le. Tu m'entends? Ouais, moi, je t'entends. Le premier kill, c'est pas moi qui l'ai fait. Aïe. Ponce, il est mort aussi à ce tour. Non, c'est Bagheera qui a fait le kill, c'est pas moi. Et tout le monde m'a accusé, c'était pas moi. Putain, j'avoue. En fait, je suis effectivement bel et bien imposteur, mais. Il y a rien de pire, je le redis encore, que des gens qui ont raison mais pour les mauvaises raisons. Ah oui, c'est horrible. Ah bah oui, c'est horrible. C'est horrible. Son safe parce qu'elles se votent depuis le début et elles ont voté. J'ai fait une partie de cache-cache avec JDG à caméra. Oh, j'ai vu le clip. Incroyable. J'ai vu le clip. Porte le corps et le corps au premier. Juste après mon kill. Alors je sens que ça. Je crois ouais. Oui, c'est ça. Non mais pour le coup j'ai vraiment un doute sur Bagheera. Non alors moi j'étais admin. Ouais parce que. Pour moi, c'est soit Ultia, soit Bagheera, parce qu'elles n'étaient pas ensemble à la fin. Non, c'est Ultia, c'est vraiment pas Ultia. Et à chaque fois, il y a eu un kill. Donc, pour moi, on a eu Jean Castex, et il reste une des deux filles, et à mon avis, c'est une des deux filles qui a tué ici. Bon, moi, je dis ça parce que je sais que c'est pas moi. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le croire, parce que voilà. Mais, je pense pas que ce soit DRG, à moins que DRG... Je viens de voir le clip, il est incroyable. Je vais le remater vite fait. Du coup, je l'ai vécu, mais j'aimerais bien le voir. Pareil. Et pour le coup, avant, je le regarde. On a vraiment fait une bonne partie ensemble, et ça m'étonnerait que ce soit elle. Ah ouais, pour le coup, y a quasiment moi j'ai une question. Trigger, toi t'es où maintenant? Là, je suis admin. J'étais en train de faire les files admin. Il me reste exactement deux quêtes après. Est-ce qu'elle aurait pu venir de caméra admin DFG? Non, non, en fait, le truc c'est simple, c'est que si on se dit que le kill est fait pendant l'emergency O2, c'est forcément elle, parce qu'il y a quelqu'un qui était pas là en fait. C'est pas vrai, j'y étais là. Non, mais t'es arrivé. Non, mais en fait, t'es arrivé de côté Medbay après tout le monde. Moi, je vois Trivia, je pense que c'est. Merci Anthony pour les 9 mois de sabbat. Trop Dark Passenger pour les 3 mois, merci beaucoup. Non, mais vraiment, c'est vraiment pas moi. Je suis. J'ai skip moi. Mais vous êtes sérieux? Oh, bien! Oh, très bien! Oh, très bien! Oh, c'est très bon ça! Je pense, moi vraiment. C'est mon raisonnement depuis le début. Hein. Oh, c'est très très bon. Oh, bien. Mais quoi? Mais n'importe quoi. Ouais, vas-y, défonce-les. Défonce-les, Bagheera. Dans on peut tenter aussi. Démonte-les. Bah oui, ça t'arrange. Merci Radio Moustache pour le Prime. Et bravo pour le train de hype. N'hésitez pas à sub, bien sûr. Bagheera, je l'ai vraiment innocenté sur le kill qu'il y avait à Electricole, mais sur celui d'avant, j'en sais rien. Je veux pas non plus la vouch à 100%. Ultia, celui d'avant, on a été tout le long. Vouch Bagheera à 100%. Là, il est éteinte. Mais moi, je sais pas. Il y a pas. Du coup, ça serait pareil. J'avais vu Rivenzy. Mais ça m'étonnerait vraiment, quoi. Je sais pas. C'est JDG. Bagheera. Moi, j'ai deux dernières tâches. Si tu veux que je sabote un truc, je peux le faire. Vas-y, vous êtes tous à gauche, je vais saboter l'O2. J'avais vu la tâche Do it. Ah, très bien. Vas-y, barre-toi par Medbay. Et vas-y, va faire genre, tu vas sauver le truc là-bas. Voilà, c'est bien. Ok, il y a Rivenzy qui est en bas. Ok. Vous étiez ensemble? Non, moi j'étais seule. Je viens de vous rejoindre. Non, pas dans l'histoire. Ok.
Il me fait bader. Mais punaise, mais c'est moi qui suis allé faire le truc à droite là tout seul. Il y a un mort caméra. C'est DFZ qui l'a fait, c'est pas toi, Rivenzy. C'est DFZ qui vient de faire la gueule. Non, c'est moi qui ai fait celui à droite. C'est JDG qui est allé vers caméra. JDG est allé vers caméra, c'est peut-être lui. Bah, il est mort 100%. Ok, je vais éteindre les lights. Vous m'aidez pas trop. Me laissez pas tuer. Mais c'est pas moi. Tu m'as vu. C'est qui veut. Ok, Bagheera. C'est risqué, c'est risqué. Ultia innocente, faudrait que t'évites de la tuer. Mais voilà, c'est sûr. Je l'ai laissé, il est allé vers cam et il est mort. Ok. Mais c'est moi qui suis allé cam pour report, ça va. Enfin, c'est pas moi qui l'aurais fait sinon. On est tous allé cam pour report. Ah, c'est Cartouche pour les 2 mois de sub. Aizen pour le prime. C'est DFG qui a dit que. Bébé Blanc pour les bits. Orphéalia pour les 100 bits. Nerabouche pour le sub. Merci beaucoup. On a le droit de remettre l'oxygène. Donc arrêtez de dire que c'est moi en fait. Mais c'est pas vrai, on y était. Bagheera, je l'ai envoyé la remettre l'oxygène. Si, m'entends. Bagheera qui l'a fait, j'étais avant toi. Non, je suis arrivé juste avant, mais. Ah, Bagheera, t'entends pas les fantômes. J'étais. Oh merde, c'est nul. Et je l'ai fait. Arrête, sinon je te récupère. Merci Melodix pour le prime. Si j'étais un Bad Wolf, si j'étais méchant pour les 100 bits. Cocaïne pour le prime, merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai une petite théorie. Il l'a remis tout seul aux deux. Ah, j'ai cru qu'elle m'entendait, mais pas du tout. Ils n'ont pas grillé. Il y a eu un. Allez, faut que Bagheera la clutch là. Antoine et Rivenzy. Elle peut faire un move incroyable. Oui. Ok. Antoine n'avait pas l'air d'être imposteur. Ah, tu penses que c'était pas Antoine, puis en fait c'était Rivenzy. Bah, en vrai, on n'en sait rien. Je sais pas en fait. Et s'il était imposteur. Pour moi, c'est un peu la. Non, j'étais pas imposteur, t'inquiète. Mais peut-être que moi je me suis. Ah, c'est Tomado pour les 2 mois. Antoine, et je pense qu'il était. Mais par contre, je tiens à dire aux deux personnes qui sont mortes là maintenant que le kill du début c'était pas moi. Voilà. Mais ça arrive, tu vois, genre. Ah mince. DFG. Moi je sais que je suis innocent, donc c'est DFG, Bagheera. Je pense pas que c'est un peu bizarre. En fait, ça dépend. Tu donnes des excuses qui comptent pas en fait. Pourquoi c'est Yana Bounia pour le prime. Yugen Gapay pour les 3 mois. Et en plus, moi je suis arrivé, DFG t'es juste arrivé, Antoine, dès le début. Pas kill, j'ai donné Antoine dès le début. Bah justement, c'était pas Antoine. Pff, et puis Bagheera, c'est vrai que je peux Tino que sur ce moi, fameux kill où on était toutes les. Allez, faut qu'elle le fasse, faut qu'elle la retourne. Ah, Bagheera elle germe, elle a fait une grosse gaffe au début, elle a pas été relevée. DFG, tu dis rien? Oh, bah, c'est l'O2 là. Vous avez l'air de. Bah, l'O2 en fait, Rivenzy il l'a fait tout seul en haut et Bagheera l'a jamais vu en haut. Bah, oui, parce que moi je regardais en fait à ce moment-là. C'est Alain Mikard pour le prime. Rivenzy en haut. Oui, c'est vrai que je suis seul, mais pour. Je pense que Riv il enquête pas mal quand même. En fait, en gros, c'est moi qui à chaque fois. Je vous donne toutes mes positions à chaque fois et je vous assure, je les donne à chaque fois. Il y a jamais de fin, il y a jamais personne pour dire ah non, c'était pas. En plus, Rivenzy là, il a. Fred, faut qu'on t'envoie le clip de moi qui vente et que tu me vois pas. Je viens de le voir effectivement. Moi, sur mon point de vue, on te voit jamais. Ah oui, normal. Je pense que c'est Bagheera. C'est Enix pour le sub. Squalaran pour les 10 mois. J'ai peur de faire un. Chance de ouf. Ah ouais, non, incroyable. DFG, t'en penses quoi du cas Bagheera? Parce que au final, elle pourrait très bien se cacher derrière moi pour s'innocenter. Non, mais c'est comme pour toi en fait. Mais oui, comme pour moi, oui. Vu, ça m'étonnerait et je te sens quand même vraiment bien. Enfin, moi, j'ai tendance à dire que Bagheera me fait bader, mais bon, je peux pas. J'ai vu. Honnêtement, j'ai vu. Oh, allez, là, faut qu'elle fasse les kills là. Faut qu'elle fasse les kills là. Faut gagner à l'O2. Ok, faut gagner à l'O2. Faut qu'ils se mettent tous à un endroit. Antoine, c'est qui entre les deux? Si c'était effectivement pas Antoine, c'est à peu près certainement Rivenzy. Ah, les lumières sont déjà éteintes. Bon, Bagheera, je sais pas si tu m'entends. Bagheera, tu m'as tué. Mais il faut faire un truc. Bagheera. On peut peut-être tenter de gagner à l'O2. C'est ta faute si je suis mort, Bagheera. Faut que tu butes Riv. Tu rentreras toute ta vie. Bute-le. Mais qui ment? Toute ta vie. Do it. Tu vas foirer, Bagheera. Do it! Do it! Tu es seul! Tu vas échouer. Do it! Tu échoues toujours à la fin. Oh non! Faut que je vous rassemble, vous êtes trop loin. Je passe des quêtes, quoi. Je sais qu'il y a 35 pour les 2 mois de sub. Tu faisais quoi comme quête? Oh putain, elle aurait pu tuer Rivenzy 1000 fois. Après, je pense qu'elle serait fait griller pour le coup. Elle serait fait griller. Attends, mais what the fuck? Faut gagner à l'eau de la réalité. Bah ouais, mais je pouvais pas trop le faire parce que il y avait déjà le sabotage qui était fait, donc. Ah oui, non, mais faut qu'elle le fasse, de toute façon. Je sais pas pourquoi j'entends Antoine, en fait. Parce que les morts peuvent hanter les imposteurs. Et ah, mais ça marche bien. Non, mais absolument non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, pour le coup. Non, c'est pas vrai, en plus. C'est intox. Mais je vous assure Non, par contre, faut pas qu'il vote sur ça, c'est une intox. En vrai, au pire, fais un contrôle R sur le... J'ai fait contrôle R, je vous assure, et je l'ai entendu sur le round. Je vous assure, Ah non, ça fait pas dit. Mais parce que je connais la règle qui mais fait que. Mais je la connais, quoi, ça je vous aurais pas dit, je sais très bien. Et je sais que non, pas ça, pas comme ça. Pas comme ça, pas maintenant.
Et je vous assure, j'entends même JDG, j'entends certains qui parlent derrière, j'entends Antoine. Tu m'entends là, Rive? Oui, donc c'est ça alors, ouais, du coup. Allo Rivenzi. En vrai, je pense. Je sais pas. Allo Rivenzi. Tu vas mourir pour avoir dit ça. Je sais qu'il y a un poster maintenant parce que j'ai entendu Antoine donner les indications à la baise. C'est pas Xenox pour le sub. Ah oui, d'accord. Ah, c'est chaud. Ah ouais, bah alors là, c'est bugué alors le truc. Il a entendu quand t'as dit je peux pas saboter pour elle. Mais il a peut-être entendu dans le micro de Bagara qu'elle était collée à lui. Désolé. Elle était collée à lui. Ah, t'as voté? Bah, yes. Non, mais je vous assure que. Bah, du coup, je sais qu'il y a un poster. Mais oui. Ah mais attends, mais c'est tellement dommage. Mais c'est de la merde. C'est de la méga merde, ce vocal. Faut enlever les fantômes qui hantent, c'est tout. Skipper tous les deux parce qu'on vous a voté tous les deux. Mais du coup, s'il sait, il pourra jamais voter. Bah du coup, il sait qui c'est con. Bah oui, Riv, il sait qui c'est, donc... Et puis même nous, on est biaisés parce que du coup, ça veut dire... C'est du bug abuse, bah oui, mais il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement. Bah oui, c'est du bug abuse, je suis comme ça quoi. Ouais, mais tu peux pas, je sais bien que tu peux pas faire autrement, Rive, t'inquiète, hein, je sais bien. Bah c'est relou, putain. Ça arrive. Je ne sais pas trop ce qu'on doit faire. Bah ouais. Tu peux aller en rose, tu veux. Bah... Parce que là, elle aura même pas... Le fais pas, hein, le fais pas, Bagara, le fais pas. Tu attends, tu kills. Tranquille. Tu tues ce mécréant qui entend des voix. Mais derrière, il y a des FG. Ouais, ah oui. Ouais. Donc c'est Bagara du coup. Il était encore un peu debout, mais ouais. Bah oui, non, mais dans tous les cas, c'est mort. En fait, je suis désolé, mais je peux pas faire autrement. Oui, parce que j'ai juste... Ah non, mais t'inquiète, Rive, je sais bien. Tu peux rien. T'inquiète, évidemment. Bon. Pas ouf. Et bah t'as bien joué, Bagara, franchement. Ouais, vraiment la bonne. Et tu vois, je le sentais que tu voulais rester avec moi vraiment pour. Et j'entends plus Bagara du coup. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Et j'entends plus Bagara. C'est marrant ça. Il faut que tu retires les fantômes qui parlent des FG. Ouais, ça bug. Ah bah oui, complètement, il entendait tout ce que je disais, ça ruine la game. Hein. C'est peut-être Bagara qui a un setting avec son micro, non? Non, je pense pas. Ouais, c'est bizarre, c'est la première fois que ça fait parce ça. Oui, parce que il l'a entendu quand il était à côté de Bagara. Non, mais en fait, normalement, si tout le monde refresh, quand il y a ça, c'est normalement ça marche. Le bet est évidemment annulé. Je sais pas si vous avez vu le clip de Antoine. Ça m'est arrivé une fois aussi, mais. Pour le début, Antoine, non? Franchement, t'inquiète, Bagara. Tu mérites de la gagner. Mais le kill au début, c'était pas moi, putain. Le kill au début, c'était pas moi. Vous avez vu le clip de Antoine dans la salle des cams? Il est incroyable. Il est incroyable. Alors que, sur mon point de vue, on ne le voit pas du tout. C'est vrai, les gars. Je suis désolé. C'est un clip, c'est les Looney Tunes, quoi. Tu peux rien, Rive, s'il y a attends, eu un je vais bug. Mettre, dans la conf. Mais ça devait être l'enfer, en plus, si t'entendais les deux imposteurs. C'est horrible, en fait, parce que en fait, j'entendais pas du tout Bagheera, j'entendais. T'inquiète, Rive, hein, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, Rive. Et du coup, j'étais en mode. Ah, c'est Valentin pour les 6 mois. Du coup, que c'est la dame en gueule, j'imagine. Ah. Tu vois, et du coup, ça aurait passé. Par contre, mais... Bagara, gros GG, parce que franchement, j'avais tellement du mal. Je commençais à douter. Le clip est passé dans le chat, les amis. Je sautais dessus, mais je disais, mais si je commence à parler, bah tout le monde va penser que c'est tout ça machin. Donc, franchement, c'était. Oui, bien sûr. C'était insane, quoi. Oui, mais tant pis. En vrai, tu méritais de la gagner. Hein. J'avoue, ouais, de ouf. Ouais, t'as vraiment bien géré. Produit par minute dans le monde. Hein? De quoi? Ah, ça m'écœure, ça. Je suis désolé, on l'a pas, hein. Je suis désolé, DPA. Je l'ai pas. Du coup, DFG, t'as retiré que les fantômes peuvent communiquer avec les imposteurs? Je vais l'enlever, S'il te plaît, parce que là, c'est trop. Quand il l'aura enlevé, faudra tous refresh. Ok. Ouais. Vous pouvez rafraîchir. Rafraîchissez. Okay. Contrôle R sur le Better Cooling. C'est refresh. Hop là. Ok. Alright. C'est très étrange, hein. Comment il t'a pas vu sur ce clip, c'est ouf. Mais parce que c'est dans le noir. Il y avait pas les lights. Moi, sur mon point de vue, on ne le voit pas du tout, mais pas une seconde, même pas un pixel, quoi. Donc on peut plus parler aux morts, là? Non. Bah apparemment. Enfin si, les morts peuvent se parler entre eux, je pense. Je préférais, mais... vu que je suis mort tout le temps, en fait. Ouais, c'est vrai. J'ai passé ma game à passer à parler à Bagheera, m'a pas entendu. Est-ce qu'on fait le shérif? Cool, il nous reste une heure. Vous voulez shérif? Ouais, vas-y. Ouais, go shérif. Go shérif, en vrai. Faut rebouger le DLL. Comment ça marche? Rendez-vous Discord ou go sur Discord? Go Discord. On quitte la game et on go Discord. Ça marche, go Discord. Au revoir la VOD. Ah bah non, ça dure 26 minutes la VOD, d'accord, non. Ah non, pas encore. Vous fermez le jeu, simplement. Ok, on ferme le jeu. Ok, super. Je ferme le jeu, c'est fermé. Okay. Vous récupérez le DLL, peu importe où vous l'avez mis. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est il faut juste le remettre dans plugin. Remets, donc. Ouais. Et vous le remettez dans plugin, et vous relancez le jeu, idéalement via Crewlink, et c'est bon. J'arrive. Okay. Franchement, Antoine, je viens de voir le clip, waouh, comment t'es mis hors champ et tout.
Ouais, mais bon, j'ai eu de la chance là quand même. Tu, tu savais qu'on te voyait pas? Bah, je me doutais, mais. Moi, quand, même quand il fait noir et tout, je suis en mode, je sais pas s'il me voit ou pas, quoi, tu vois. Je me doutais, mais c'était pas sûr à 100%. Oh ok, c'est bon, j'ai mis le plugin. Bepinex plugins. Voilà, du coup, quand vous lancez le jeu, ça vous dit bien en haut à gauche qu'il y a marqué. Strex pour la net sub. Valentin pour les 6 mois. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut redire ce que c'est que le mode shérif? Oui, alors, MV, peux-tu nous expliquer le mode shérif? On est d'accord que le DLL se met dans le plugin. Tout à fait. MV, tu expliques le mode shérif? Oui, le mode shérif, en gros. Ouais, mais sinon, attends, je te le zip et je te le mets dans le Discord. Oh là, je les slide dans un fichier random. Tiens, bravo, je sais même pas lequel. Bravo. Merde, ça, j'arrive pas. On peut pas mettre un RAR? Un zip? Au secours. Attends, ajouter à la. Putain. Ajouter à l'archive pour un zip. On peut envoyer normalement. Ça marche pas, CTRL Z. Je suis désolé, pote. J'arrive pas à envoyer dans le Among Us stream le dossier. Bah, je le re-télécharge sinon, non? Oui, c'est tout petit, hein. Ouais, ça se fait vite. C'est tout petit. Je fais ça. Et tu vas juste chercher le DLL dans. Bepinex plugins. Oui, donc le mode shérif, en gros, il y a un rôle en plus. Un des crewmates sera shérif et pourra essayer de tuer d'autres personnes. Il a un cooldown plus long que les imposteurs, de 10-15 secondes. Et en gros, s'il essaye de tuer un innocent, eh bien, il se suicidera à la place et l'innocent sera toujours en vie. Par contre, s'il tue un imposteur, bah, son cooldown recommence et il peut continuer à jouer en tant que shérif. Donc, et est-ce qu'on sait qui est le shérif? Est-ce que le shérif fait dévoiler ou pas? Le shérif n'est pas dévoilé. Non, et c'est un mauvaise... rôle caché. Ouais, c'est une mauvaise idée de se dévoiler parce que vu que t'as un cooldown plus long que les imposteurs, ben ils peuvent te tuer avant. Ouais. Voilà. Ok. Rien compris. C'est dommage. Le cooldown du shérif est deux fois. Il y a quelqu'un qui a dit rien compris. C'est dommage. Ah oui, deux fois. Okay. C'est tout. Il faut au moins ça, je pense. Sinon, c'est chaud. Salut. Oui, dans le patch d'après, on peut. C'est super bait. Le timing. Oh, pardon. Pour les 4 mois de Seb. Et Scanner Miller pour les Prime. C'est bien comme ça, quoi. Ok. Ah, je suis dans le jeu. Ok, bah vas-y, on revient sur le crawling. Ok, j'arrive. Je me mute Discord. RDV dans le jeu. Je. Hop. Shérif, ou pas? Bonsoir. Bonsoir. On est sur le mode shérif là. Oui, on est sur le mode shérif là. Mais il y a écrit quelque part ou pas? Il y a écrit loaded shérif mode en haut à gauche quand tu charges le jeu. Ah bon. Regarde, est-ce qu'en bas, t'as show oui, shérif off shérif, oui, voilà. Exact, ouais, exact. Ah okay, oui. Ça marche. Normalement, c'est bon. C'est Légende des Roses pour les 4 mois. Je vais remonter le shérif pour les 4 mois. Non. Hop. Non, pas testé, jamais. Donc, vaut mieux que le shérif ne se dévoile pas. Voilà. Effectivement, ça serait une très bonne cible pour les imposteurs. Effectivement. À toutes. Hop, de retour dans le jeu. Bien sûr, il manque 2 personnes. Ouais, retour dans le game. Le game. Tu connais pas Sheraf? Sûr. Ça fait longtemps qu'on a pas entendu ma vie. Tu connais pas Sheraf, Gringo? Est-ce qu'on peut se dévouer shérif en mode genre je sais pas trop qui est l'imposteur par ici, mais... There's a new sheriff in town. Je pense que tu peux. There's a new sheriff. Allez, vas-y, lance, j'ai trop envie de voir, DFG. Vas-y. Oui, j'ai lancé. Okay, let's go. Fucking go. Si j'ai un écran noir, bonne chance. Ah, il y a Icos Camille. Aïe, merde. Donc, normalement, il y a écrit shérif pour le shérif, je sais pas, enfin. Je suppose. Ça sent la bonne game. Allez. Oh, je vais faire mon Simon tout de suite. Comme ça, ce sera fait, là. Hup. Regarde mes mains, putain, tout ça pour une collection de pins. Tu connais pas Sheraf? C'était un groupe, ils étaient number one. Regarde ce qu'elle a fait à mes mains, cette putain de collection de pins. DFG Domingo. Ils vont à Navigation. Tous les deux. Main dans la main, Bagara qui est aussi là-bas. Ah, Rivenzi qui a une petite saute de... Bagara qui revient de Navigation avec DFG. Il y a Domingo toujours là-bas, normalement. Bagara qui faisait ça comme si elle voyait ce qu'il y avait... Ah non, moins qu'à danser devant les caméras. Domingo Ultia. Ultia qui va voir à Nav. Orange qui va là-bas. Bon, vas-y, je vais l'aider.
Tu m'as dit oh bizarre. Vraiment, ouais, voilà. Je te crois. C'est rien. Attends mais. Super. Fred, ça fait longtemps que t'es rentré dans cette pièce et t'as mis longtemps à mettre ta main sur le truc en bas. Hein. Mais bon. Bah oui, parce que je vous attendais, ça sert à rien, il y avait personne. Ouais. Bizarre ça. Hein. Au pire, j'y serais juste pas allé quoi. Allez, non, oulala. Oh là là, messieurs. Oh là là. Soir. There's a new sheriff in town. Oh, is there a sheriff around? Merde. C'est vrai qu'il y a un sheriff ici même. Tout à fait, j'ai l'impression. Bon, si j'ai déjà vu. Ah. Non, ok. Ok. J'ai qu'il se barre de l'endroit où il y a les urgences à chaque fois. Hein. Super. Très bizarre quand même, JDG. Hein. Là, bah non. Oh là. Ça. Alors. Bon bah DFG. Ah bah non c'est. Oh non. C'est Ultia. Non, Antoine, pas du tout. Non, bah... je te jure sur ma vie, je regardais au. Sur ta vie. Oui, pardon, je devrais pas. Je jure sur ta vie, Ultia. Non, c'est vrai. Tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, en fait, je vais te. Sous les cams en train de chanter une chanson. Et ouais, comme les cams se sont arrêtés, j'étais en mode hey, il a pas voulu entendre ma chanson, du coup je suis descendue et puis non, là j'ai vu cam. Non mais je vais te dire la vérité, Ultia, je pense que c'est JDG. Mais pourquoi, putain? En fait, ce que je pense, Ultia, que ta version est vraie. Je pense effectivement que t'étais un peu sur le cadavre histoire de voir s'il y avait des gens autour. En fait, Fred, t'es parti sur la droite, là où il y a le cadavre. Bon, il se trouve que j'ai vu Ultia sur le cadavre en arrivant dessus. Ton cadavre. Mais le truc, c'est que, en fait, déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était un peu long le fait que tu ne restes pas sur la main. Mais il n'y avait personne. Mais comment tu peux, comment tu peux le savoir qu'il n'y avait personne vu que t'es allé directement vers le bas? J'étais au cam, je t'ai vu aller vers le bas. Et ensuite, autre question, Fred, pourquoi tu es parti d'Electrical quand les lumières se sont coupées? Mais parce qu'il y avait déjà 10 personnes, t'étais à côté. Et c'est une raison pour partir? Mais oui. Mais ça je le fais tout le temps, hein, mec. Et en plus je crois qu'il devait y avoir une MV qui était pas loin. Il le fait souvent, c'est vrai. Ah. Pourquoi ça serait JDG, Antoine? J'ai pas trop compris. Bah je viens de... On l'accuse. Je viens d'expliquer un peu. Mais bah, je m'énerve quand on m'accuse à tort, là ça casse les couilles là. C'est vrai. Oh là là. Là c'est trop. J'ai failli voter pour toi rien que parce que t'avais dit ça, mec. Donc attention. Je sais, en plus, là, il est où le cadavre? Je sais même pas, il est où le cadavre? Il est devant. Je peux te dire le trajet. Quand tu dis que je suis parti à droite, c'est la vérité. Je suis passé par Shield tout en bas à gauche. Je suis remonté. Et là, je suis au niveau des astéroïdes. J'ai traversé 8 fois la map. C'est étonnant que t'aies traversé aussi rapidement cet endroit-là. T'avais aucune quête à faire à droite? Non, j'ai l'astéroïde, je l'ai fait tout à l'heure. Aucune quête à faire, ni à O2, ni à Navigation. C'est pour ça que t'as tracé aussi vite depuis en haut. Attends, quand tu fais les quêtes, tu les fais genre un dans l'ordre, genre d'abord en bas à droite. Bah, ça me semble plutôt. Bah, non, si je traverse le couloir de droite de haut en bas, bah, je vais passer par Nav, donc je vais faire mes quêtes à Nav, puis ensuite à O2 et je vais faire mes quêtes à O2. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce qu'il y avait tout le monde en bas à gauche et que je me suis dit, je vais en profiter pour aller faire les quêtes astéroïdes parce que celle-là, elle est longue. Bon, dans tous les cas, je vais voter pour personne, mais je mets une pastille sur toi et sur Ultia, c'est tout. Moi, je trouve que tu m'accuses vraiment trop facilement. Qui est-ce qui était dans les environs? Moi, j'ai rien vu, moi. J'ai rien c'est vu. Ultia. Excusez-moi, j'ai pas bien compris où était le corps, s'il vous plaît. Bah oui, ouais. Depuis tout à l'heure, on écoute Antoine accuser tout le monde. Astorage. Je même pas dire où était le corps. Astorage devant le bidon d'essence. Merci. Le petit Alexis. Alors c'est vrai, je suis désolé d'avoir beaucoup parlé sur celui-là, mais il fallait que j'explique un peu ma réflexion, je suis désolé. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Je suis navré, j'ai un peu monopolisé la parole. Je suis désolé, les amis. Ouais. Oui, moi je comprends bien. Il a pas son chapeau, Jean. Mais putain, pourquoi? Il a pas son chapeau. Non, son c'est vrai qu'il a pas de chapeau. Bah merde. Comment il a un chapeau? Très joli chapeau. Merci. T'as un double chapeau, même. Alors là, il y a quelqu'un au cam. Ah, les coms ont été sabotés. Ah, évidemment. Non. Alors, Bagheera, ne dis rien. Ça s'arrête. Quoi? Ne dis rien, ma petite piote. Oh, il s'est fait tuer par le shérif. Il s'est fait tuer par le shérif. Bah non, je t'entendais plus.
Il s'est fait tuer par le shérif. Au début, mais je t'ai répondu. Mais du coup, ils vont. Laisse-moi expliquer. Tu t'es fait tuer par le shérif, Fred. On était avec la petite Bagheera. Le petit vulgaire avec la chemise pourquoi à moyen. Bagheera, elle a pas double kill. J'ai saboté exprès les coms. Bah là, elle l'a pas fait, c'est tout. Mais j'avais raison au niveau de ton passing, Fred, non? Le petit, la chemise hawaïenne qui revient à navigation. C'est quoi, ce que j'ai dit tout à l'heure pour t'accuser, ouais. J'avais raison, non? C'est moi qui le tue. Oui, mais c'était par contre il y a longtemps. Quand ça se passe comme ça. Le kill, il était vraiment en 45 secondes après. Parce que moi, j'ai déjà porté plainte quand on avait volé mon sac dans le métro et ils avaient rien fait. Alors mamie, elle lui a mis un gros coup de canne dans les roubignoles. D'accord, mamie. J'ai pas... Alors, mais du coup, mamie, c'est qui? On n'a pas compris, mamie. C'est celui qui est vulgaire. C'est celui qui est vulgaire avec la chemise hawaïenne. C'était lui. Bon, donc, il a été tué par le chanteur d'urine qui sort de ses mamies. C'est Jérôme Lebégé pour les prennes. D'un coup, 42 pour les 3 mois, merci beaucoup. Ça fait de malin pour les 3 mois. Whisky raclette pour les 2 mois. Je pense que c'est ça, non? Quoi? Oui, c'est ça, oui. Ça a l'air d'être ça. Non, moi, je voulais pas passer par les tribunaux. C'est de la justice, c'est corrompu. Alors par contre c'est un truc de dingue parce que ça se trouve il dit faux. Mais alors on dirait qu'il dit vrai hein. Mais imaginez genre tout mais ça c'est du mytho en et en fait moi, c'est vraiment un imposteur. Mais j'ai quand même toute ma tête. Nous sommes en 1976. Alors pour que je la suive et que je vois de mes propres yeux. Oui. J'ai pris les petits. Fondée en venant à coup dans les roubignoles du grossier. Donc effectivement à moins que ce soit giga fort mais ça me paraît étonnant. Je pense que c'était par le métier. Et pourquoi DG a tenté de... Je me mute, mais tu peux te faire... Parce qu'il personnellement... croyait qu'on était partis faire les lumières, mais moi j'ai dit à la petite... Tu peux te faire passer pour un shérif. Oh, c'est intéressant. Okay. Alors que t'es un imposteur. Oh, okay. Ça, c'est extraordinaire. Du coup, moi, j'ai pas compris qui était le shérif. Si C'est mamie qui a fait la justice. C'était vraiment JDG l'imposteur. Ah, putain, j'ai rien compris. Il a tué Antoine. Ouais. Ah, mais c'est ça le coup dans les roubignoles. Oui. Ah, il a été assassin. J'ai pas compris. Bah, mamie, quand même, c'est violent. Mamie, il faut arrêter. Il serait en prison. Il aurait donné des cookies au lieu de lui donner des coups de pied dans les roubignoles. Oui, mais là, tu l'as tué, mamie, quand même. C'est tout ce qu'il méritait. Ah oui, enfin, c'est la peine de mort, c'est quand même. Enfin, ouais, c'est. Attention quand même. Fort Moriers. Moi, je trouve ça bien. Vous êtes du genre, la mamie. Fort Moriers. Vous êtes un peu dur. Oui. Allez, mamie. Non, mais je suis très content d'avoir. Et c'est pourquoi tout le monde. Eh bah. Bah, parce qu'il y a. Oui, je suis Napan. Super. J.R.A. Je rigole audiblement. Ouais, en vrai, ça me casse les couilles, ce que je dis à mon chat, là, c'est... chaque fois que je suis imposteur, c'est nul, je me fais griller au premier tour, franchement... Ah bah, je suis désolé, faut... Pour moi, pour les viewers, pour les autres avec qui je joue, c'est vraiment... Ah, écoute... Allô? Oui, je suis désolé... Allô? Allô? Je suis navré. Peut-être mieux jouer, peut-être. Le raté, tu peux vite dire que t'étais le shérif, quoi. Ah, enfin! Ils ont remis la télé! Bagheera qui traîne avec lui pour l'assassiner. Ah mais putain, mais c'était les coms, non? C'était les coms, non? Complètement, ouais. C'est pas lui qui a tué. Si, c'est lui qui m'a tué, c'est JDG, mais il l'a tué immédiatement. MV l'a tué immédiatement juste après. C'est compliqué parce que... Enfin, il y en a plein qui peuvent mentir, quoi. C'est clair, mamie. Ultia. Mamie, où est mamie? MV est mort? Ah, s'il est passé en bas, c'est qu'il est mort. Tout à fait, il a été assassiné. Bon. Je fais pas du tout gaffe à ça, Silly, pendant la game, donc ça va. F for mami. Où est le cadavre? Je pense qu'elle parlait toute seule en vrai. Ah. Oh. Donc c'est bien ce que je pensais. Tu as été un excellent shérif, MV. Ah bah, c'est bien ce que je pensais. Je comprends. Excellent shérif. Je vais curer, j'aurais dit. Ah bah du coup. Attends, on a vu Ultia il y a pas longtemps, nous. Oui. Est-ce que je peux. Oui. Vas-y, parle, Riff, parle. Ah, j'aurais dû essayer, je me serais suicidé, j'aurais été ridicule. Ou sinon, c'était du génie. Là, t'aurais pu. Je pense pas que ce soit PA parce que j'ai l'impression que tu cherchais. Je me doutais bien, c'était le cachet quelque chose. C'est ce que je me suis dit quand. Je me suis dit, à tout moment, c'était un truc qu'il ratait. Si c'est MU, c'est faire pour le Prime. En fait, pour moi, t'es juste innocent ce coup-là.
Bah du coup c'est Bagheera. Bah du coup c'est Bagheera. Ouais. Bah nous on était avec Lil Wayne au calme, on discutait donc. Ouais, on parlait. Puis on a croisé Ultia qui a fait. Ah moi je suis en train de voir s'il y a un corps. Et moi je pensais que c'était Ultia du coup. Il y avait un corps depuis avant, donc enfin avec l'alerte de O2. Et t'es où toi Bagheera là? Je suis en train d'entrer dans les cams. Ouais bon après elle dit ce qu'elle veut hein, ouais, on est tellement peu... Ah non, cam, cam. Pour le prime, merci beaucoup. Mais non. Ouais. Bah si. Bah je réfléchis à ce qui s'est passé, mais... Bah si, bah pour le coup... Bah t'as tué d'abord. Mais ouais MV, si t'avais pas dévo, peut-être qu'elle t'aurait pas tué toi. Hein. Si jamais, mais vraiment jamais, parce que c'est vrai que j'ai eu un doute de 20... Hein Xavier, je sais pas si tu m'entends. Je venais de quitter... Si t'avais pas dévo, elle t'aurait pas tué je pense. Ok, je vais confirmer. Oui, mais vu que elle était avec moi, elle m'avait tué, bah j'étais obligé de. Oui, mais en fait, si JDG a tué devant tout le monde, c'est parce qu'il espérait un double kill avec Bagheera. Bah, moi, c'est ça, c'est en fait. Je me disais, c'est pour ça que j'ai coupé les coms en fait, juste avant. J'ai coupé les coms pour parler visible au cas, mais je me suis dit, bah Bagheera va le tuer, tu vois. Enfin, si Shax pour le prime, merci beaucoup. J'aurais dû au moins me laisser l'hypothèse en l'air, merde. Yatsgard pour le prime. Mister Akuma pour les deux mois, merci beaucoup. C'est une victoire incroyable. Bravo. Mamie là, ça a fait la diff. Désolé, par contre, les gars, en fait. Ça coupe le proxy en fait. Oh. Oui, c'est normal ça. Ah. De quoi? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le sabotage des coms en fait coupe les voix. Ah, c'est pour le lâcher. C'est full bug moi. Ah, c'est pas mal ça. J'ai une suggestion, que dites-vous de pas parler les fantômes pendant qu'il y a débat parce que c'est un peu illisible. Oui, ok. Les fantômes okay. parlent entre eux. Je sais pas, vous en pensez quoi. Ok, ok. C'est si tu veux. Mais attends, tu veux dire, les chromés ils nous entendent pas? Non, ils nous entendent pas. Il y avait deux conversations à suivre, je pense que ça doit être difficile. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça marche pour les gens. Bien sûr, vas-y DFG, tu peux relancer si tu veux. Mais Bagheera, en fait, j'avais saboté les coms parce que je me suis dit, tu vas killer mes vite. Bah c'est ce que j'ai fait mais après... Akuma. Ah non, je... Ah oui, c'est ça. Ah, ça game ici, hein. Allez, ça va. Putain. Holy hell. Ok. Ok, salut Reeve. Hey, salut toi. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Écoute, je pense que je vais juste te passer au fil de ma lame. Ah ouais? Ouais. Fais gaffe, mec. There's a new sheriff in town, bruh. Je vais essayer d'observer un petit peu ce qui se passe auprès de mes petits camarades. Je vais aller aux caméras surveiller ce qui se passe en ville aujourd'hui. Ça me rappellera la bonne époque. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Il y a du monde par là. Domingo et Rivenzi se trouvent. À Admin, Domingo fait ses câbles. JDG et DFG rentrent dans Admin. MV et Ultia rentrent à Nav. Suivi par Bagheera Jones. JDG qui... Je pense a tué... Je pense qu'il a tué à Admin. Je vais juste aller vérifier. T'as terminé toi ou pas? Pas du tout. Attends, je vais quand même vérifier. Parce qu'en fait, il s'est cogné comme ça, comme s'il était encore sur cet écran-là quand il avait saboté les lights. J'ai des gros doutes sur Fred, une fois de plus. Mais je ne vais pas le dire, sinon il va bouder. Il faudrait que je retourne à ma station de contrôle, surveiller les agissements de la ville. DFG, Rivenzi, Domingo, JDG... Pareil. Little Big One et les ponces, oui, bien sûr. Bonsoir. Ne faites pas de saloperies, messieurs dames. Ok, très bien, tu sors par le bon endroit. Oui. DFG. Antoine côté droit, Trivia qui hésite, Riff qui est parti finalement, ça... Ouais, c'est mon spot. Fais gaffe. Oh ouais, vive les fleurs. Oh là là, insupportable. Bleu qui est reparti. DFG qui reste aux caméras. Étonnant cette histoire. DFG qui me poursuit dans les couloirs. Me viens moi que je remercie là-dessus. Ça ne me dit rien qui vaille. Il y a eu un mort. Il y a un mort. Il y a eu un mort. Mais attends, il y a eu un mort. Rivenzi, où était le cadavre? Ah bon, mais. Tu l'as tué, non? Où l'as-tu tué, Bagheera? Où était le cadavre? Non.
Non, alors, non, bah, je suis arrivé au niveau d'oxygène et Ultia était décédé. Ah, ok. Oxygène en haut à droite à cet instant-là. Et elle était décédée. 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 Fred, t'es allé où quand je t'ai croisé Bah, l'oxygène de l'autre côté, sauf que j'y suis pas arrivé encore. Là, je suis en train de franchir les météorites. D'accord. Les météorites. Oui. les météorites de type astéroïde. Tu parles certainement de ce qu'on appelle les stéroïdes. Sachant que moi je peux vous dire mon truc, c'est qu'en fait je suis parti, donc je suis repart, j'étais medbay, j'ai traversé la cafétéria, j'ai laissé Little Big Wayne medbay, donc elle était pas à... donc elle était pas à droite, c'est sûr. Et après, bah, en arrivant, et bah, en fait en passant cafétéria, je n'ai vu personne, et en arrivant dans au niveau de l'oxygène, j'ai vu. Sur ce kill, je peux innocenter à coup sûr DFG, qui était au cam un petit peu longtemps. Oui, et moi. Probablement Domingo. Aussi. Et moi. Je ne sais pas, Bagheera. Mais Bagheera était avec moi. J'étais beaucoup calme, j'ai vu Antoine, c'est que j'ai moins vu durant, c'est vrai. Ah non, moi j'étais. Alors, moi j'ai fait tout le long avec Ultia, et alors, avant qu'elle. Enfin, ensuite elle est partie, j'étais avec elle. Ouais, je sais pas pourquoi il te dit pas, il t'oublie. Bah, j'ai pas dû bien regarder, je pense, excusez-moi, j'avais l'esprit peut-être un peu embrumé. Oula, attends, quoi. J'ai rien compris. Moi. On peut enlever des. Enlever J'essaie de calculer le temps de trajet de JDG de admin à oxygène du haut pour voir s'il n'essaie pas de faire le chemin. Il était avec nous, il est parti. Non, pas du tout. Mais vraiment, je ne suis pas encore arrivé à l'astéroïde, là, je suis en train d'y arriver. Je suis désolé, je vais le redire, mais je n'ose pas trop le dire parce que j'ai peur qu'il boude. Mais le plus suspect est joueur du grenier, je trouve, dans cette affaire. Aïe, aïe. Mais je vais quand même skipper, bien sûr, évidemment. C'est absolument faux. D'accord. Écoute-le dans ma voix. C'est faux. C'est vrai que t'es très calme, là. C'est vrai que t'es beaucoup plus calme que quand c'est vrai. C'est vrai. C'est une bouderie très légère. Pour ça, je vais voter Jean Castex. Ah, ne vous faites pas avoir, les amis. Voilà, convaincu. Jean Castex, là-dessus. Super Eldoria pour le sabofer à Guagua. Qui est passé là-dessus. C'est moi. Très bien. Vous voulez régler ça en privé. Bon, alors. Il va me falloir une petite saloperie, là. Il faut que je sois sûr. Pour pouvoir faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bagheera qui s'en va vers la lumière. MV. MV, va-t-il prendre la vente? Je le vois pas, vente. Ok. Ouais. Pourquoi tu fais semblant de regarder les caméras? Je fais pas semblant de regarder les caméras, je les ai retirées parce que je t'ai vu arriver. Ah. Bon, c'est MV qui ressortent de Medbay. Ils ressortent tous les deux de Medbay. Alors attends. C'est une drôle d'histoire. Allez. DFG Bagheera. Ouais. Faites attention, messieurs, dames. Il me fait peur, il me dit. Je vais en bas. Vas-y, je te regarde, hein, je t'ai à l'œil. Je. Ah, ça doit être fait. Ok. Mais t'es fait par qui? Ah oui, d'accord, tu m'as fait peur. Je suis mort, attends. Vas-y, je me mets là. Ok. Ouais. Une sombre affaire, si vous voulez mon opinion. Une bien sombre histoire. Ouais. Les portes... Qui est avec moi? J'aimerais beaucoup voir un petit flagrant délit, là. J'adorerais. Alors... Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que la ville est plus sûre? Je te surveille, toi. Ouais, surveille-moi. Rivenzi et qui d'autre? Et MV. Je dis quand? C'est mort avec les Colts. Ouais. Inspecteur. C'est vrai? Inspecteur. Oui, c'est vrai. Putain. Alors, c'est mort avec les Colts? Dites-moi où vous êtes maintenant. Je viens de te voir passer Ponce aller en haut à gauche dans cafétéria et je suis actuellement au milieu de la cafétéria.
Et avant Avant, il est passé par les caméras. Antoine peut confirmer qu'il m'a vu remonter au niveau des caméras vers le nord. Je confirme, mais ça ne t'innocente pas. Où sont les cadavres? Tu venais d'où, Jean Castex? Vous cassez les couilles avec vos saloperies. Attends, non, oh, votre langage. Tu venais d'où, Jean Castex? Moi, j'étais aux caméras et c'est lui qui est venu dans la salle et il m'a fait « Je te surveille !» et je suis resté, en fait, voilà. Je n'ai pas bougé depuis. Vu que ça le titille et qu'il aime pas qu'on lui casse les couilles, j'ai une question pour JDG. Allez. Lors de la première alerte oxygène, j'ai fait en haut l'oxygène la première et la deuxième fois. Pourquoi, à la première alerte oxygène, alors qu'on venait de réacteur, vous êtes allé medbay? Mais parce que j'avais un cancer. Il fallait que je me soigne. Non, vraiment, parce que... Mais c'est l'autre bout du vaisseau. Vous allez pas regarder parce que l'autre bout du vaisseau. Vous avez qu'à faire un vaisseau plus petit aussi. C'est vrai. Ça se tient. Non, mais ça se tient là-dessus, je pense que... La défense est bonne. Petite question, DF, parce que je t'ai quand même quitté avec... Enfin, il y avait Bagheera juste à côté. Et qui d'ailleurs, à Storage, m'a demandé ce que je pensais de toi. Moi, j'ai décidé d'aller vers Anmin pour le truc O2. Et toi, tu retrouves Bagheera dans Electricol. C'est quand même... Tu pars avant nous, c'est toi qui reportes le kill. Non, c'est Marron dans Electricol. Merci Tifo, pour le savoir-faire à Loris Roquet. Fais un flanc pour les 6 mois. Mais attendez, on va pas revenir, excusez-moi, excusez-moi, messieurs, dames, on va pas revenir sur l'excuse piteuse de joueur du grenier par rapport à la question de MV. Non, ça suffit. Non. Essayons de trouver les coupables plutôt que de trouver... Mais justement, c'est ce que nous faisons, JDG. Ah, j'ai envie de voter pour toi. Je suis allée à Medbay parce que... Tu veux pour savoir pourquoi? J'avais la flemme et c'est une très bonne excuse. La flemme. Ouais, trois rounds de suite, c'est pas mal. Bah, souvent la flemme, j'ai l'impression, mon cher Fred. Ça suffit. Arrêtez. De toute façon, il reste 18 secondes et on ne fait pas la justice en moins de 15 secondes. C'est peut-être pas à toi de le dire, ça, mon petit pote. Non, vraiment, sans déconner. De toute façon, on vote pas à 7, de toute façon. Bien sûr. Mais je vote quand même pour JDG. MV, tu commences à sentir... J'ai pas vu Jean de la game. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais rien du tout. Écoute, reste avec moi, PA. Deux fois. Rivenzi m'a vu, d'ailleurs. Putain. Ok. Faut que je fasse quelque chose. Merci Riversong pour le Prime. Personne, Cam. Quand j'étais là, j'ai vu personne, là, j'ai vu. On aurait dû voter JDG. Moi, j'y crois un peu en JDG. Tu crois à mort? On aurait dû voter. Ils vont me buter, là. Peut-être lui, là, le petit Alexis, là. Tu veux que j'aille buzz? Tricol. Non, DFG, c'est trop tôt. C'est trop dangereux. Ne faisons pas ça. C'est vrai qu'il est très suspect. Oh, comment il va? Ouais. Rivenzi, hein. Merde, j'ai un truc à faire à O2. Oh non, c'est les feuilles de mort. Rivenzi qui remontait le couloir de O2, hein. Putain, peut-être qu'il y a un cadavre en bas. Alors... On n'est pas l'impression pour le moment, en tout cas. Quelle drôle d'affaire. Ouais. Je vais retourner à ce que je sais faire de mieux. Quelle drôle d'histoire. Oh. Quelle drôle d'histoire. Ok. Je pense qu'il est temps de rendre la justice. Si je me trompe, je meurs. Quelle sombre affaire. On va faire double. Comment? On va faire un double, il a dit? Oh, il a vraiment dit ça? Oh là là, j'ai rien vu. Ah, on peut parler? Allô? Allô?